Voilà. Et en fait, cette présentation, elle est. Enfin, merci pour toutes les présentations qui ont été faites ce matin, parce qu'au final, cette présentation va faire un bon pivot entre toutes les problématiques qu'on a pu voir, c'est-à-dire vis-à-vis de la protection des données personnelles, c'est-à-dire le traçage auquel peut être soumis un individu sans qu'il n'en soit réellement conscient. Et donc, en fait, comment est-ce que le cadre européen qui a été mis en place, notamment avec le RGPD, permet à la fois de protéger ces individus contre le traçage potentiel et comment est-ce qu'il met la bonne mise en balance pour ne pas non plus brider l'innovation vis-à-vis des systèmes informatiques? Et c'est également une bonne transition pour cet après-midi, ce qu'on verra grâce à cette présentation, on comprendra mieux en fait dans quel cadre s'inscrit la portabilité. Donc un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu ce matin. Donc en fait, pour qu'un traitement soit mis en place, en fait, il doit être légal, il doit être conforme au cadre européen qui est instauré par le RGPD. Donc, pour rappel, c'est en fait tout traitement doit avoir une finalité qui doit être déterminée, explicite et légitime. Les données doivent être adéquates. On doit mettre en œuvre des durées de conservation. On doit respecter le droit des personnes, mettre en œuvre de la sécurité, encadrer ces relations contractuelles et notamment vérifier que les données, enfin, tout les flux de données, est-ce que ces données, par exemple, sortent d'Europe? Est-ce que ces données vont vers les États-Unis? Et si, avec l'arrêt Schrems 2, qui a invalidé le Privacy Shield, en fait, tous ces traitements qui vont sortir de l'Europe et vont aller notamment vers les États-Unis doivent avoir une attention particulière, c'est-à-dire doivent être encadrés de mesures particulières pour être conformes à la loi. Et l'objectif aussi, c'est de déterminer qui sont les destinataires de ces données et de bien informer la personne. Qu'est-ce qu'un traitement légitime? Eh bien, en fait, là, un traitement légitime, c'est un traitement auquel, à tout traitement, doit être affecté ce qu'on appelle une base légale. C'est ce qui va, en quelque sorte, justifier ce traitement. On a l'impression que RGPD égale consentement. Non, dans certains cas, oui, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'au final, quand on parle de base légale à un traitement, c'est ce qui va justifier le traitement. Et pour cela, en fait, il y a six possibilités offertes par le RGPD. Pour fonder un traitement. Donc, celui qui va de soi, c'est la base légale du contrat. Donc, c'est-à-dire, est-ce que le service que je suis en train de fournir à l'utilisateur rentre dans le cadre d'une relation contractuelle? Est-ce qu'elle est directement nécessaire à l'utilisation de mon service? Donc, ça, c'est une base légale. Ensuite, il y a le consentement, effectivement. Donc, s'il n'est pas directement nécessaire à ce service, eh bien, en fait, on doit demander oui ou non. Est-ce que je peux faire cette collecte? Est-ce que je peux activer ce traitement à l'utilisateur? L'utilisateur doit avoir le droit de s'opposer sans qu'il y ait de conséquences négatives directes sur le service qui devrait être directement fourni, c'est-à-dire qu'il serait sur la base du contrat. Néanmoins, il existe une troisième base légale qui est l'intérêt légitime. Et l'intérêt légitime, en fait, l'objectif, c'est d'arriver à faire une mise en balance entre l'intérêt que représente ce traitement pour l'utilisateur et les risques qu'ils font peser sur la vie privée. Et donc, si on base ce traitement sur de l'intérêt légitime, au final, on passe d'un régime de consentement à un régime d'opposition. C'est-à-dire que l'utilisateur a le droit de s'opposer à ce traitement parce qu'il n'est pas directement utile au service. Néanmoins, ce traitement présente des risques faibles vis-à-vis de sa vie privée. Donc ça, en fait, c'est pour tout ce qui va être traitements qui seront relatifs à des entreprises, à un organisme particulier. Ensuite, d'autres bases légales peuvent être mobilisées pour la mise en œuvre d'un traitement qui relève plutôt en fait de l'État ou d'un organisme, en tout cas à mission publique. Ça va être celle, par exemple, de l'obligation légale, c'est-à-dire que ce traitement est imposé par la loi, et dans ce cadre-là, en fait, il peut être appliqué de fait. Est-ce que c'est une mission d'intérêt public? C'est-à-dire que ce traitement représente un intérêt public général pour l'État. Et enfin, la dernière base légale mobilisable, c'est celle des sauvegardes des intérêts vitaux.
Donc, c'est une base légale qui a été qui est mobilisée dans le contexte actuel, par exemple, pour le suivi des pandémies, parce qu'au final, ce traitement devient complètement nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux des êtres humains. Néanmoins, peu importe la base légale qui doit être choisie, l'utilisateur, l'individu qui est concerné par ces traitements, doit de toute manière être informé qu'ils sont mis en place. Donc en fait, il y a un certain nombre d'informations à fournir pour les personnes qui mettent en œuvre ces traitements, qui vont être de toute manière l'identité et les coordonnées de l'organisme, les finalités poursuivies, la base légale qui a été mobilisée, le caractère obligatoire ou facultatif de ce recueil de données, qui va recevoir ces données, les durées de conservation qui vont être appliquées à ces données, le fait qu'ils ont des droits et la manière de pouvoir appliquer ces droits vis-à-vis de ces données, les coordonnées du DPO pour pouvoir exercer ces droits et pour pouvoir faire s'informer vis-à-vis de tout ça, et en cas de problème, le fait que la personne peut se retourner vers la CNIL pour faire une réclamation, car il considère que ses droits n'ont pas été respectés. Donc en fait, ça fait quand même beaucoup d'informations à transmettre à l'utilisateur, et l'objectif, ce n'est pas de nous noyer, de nous noyer vis-à-vis de toutes ces informations. Donc bien sûr, ces informations doivent être complètement adaptées au contexte d'usage, donc notamment au terminal, si on est sur un smartphone, si on est sur un site web, eh bien cette information doit être, il y a une exigence à ce que cette information soit écrite d'une manière compréhensible pour l'utilisateur. Que, en fait, toutes ces informations là sont c'est du bon sens de les indiquer à la personne. Néanmoins, certaines informations ont plus d'intérêt que d'autres. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cadre du link, on a produit le site Données Design. Alors, je vais essayer, hop, ici, où en fait, vous retrouverez beaucoup d'exemples sur la manière de pouvoir délivrer, comment délivrer cette information correctement à l'utilisateur. Que ce soit en termes d'informations, donc par exemple, si on se trouve sur un smartphone, où est-ce qu'on peut trouver les informations de manière claire et compréhensible, comment bien recueillir un consentement, que ce soit comment bien recueillir un consentement ou comment activer une base légale. Donc par exemple, si je fonde mon traitement sur la base légale du contrat, comment est-ce que je peux l'informer de où est-ce que se trouve l'information. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir les bons indicateurs pour que l'utilisateur puisse avoir accès à cette information si nécessaire. Et donc voilà, je vous invite la manière dont on peut exercer les droits de manière simple pour l'utilisateur. Alors, je reviens. Donc, en ce qui concerne le droit des personnes, donc la personne, et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la portabilité, donc comme on l'a rappelé tout à l'heure, la personne a des droits vis-à-vis des données qui sont collectées par des entreprises ou par des organismes. C'est le droit d'accès. Donc le droit d'accès, en fait, c'est un droit de regard sur les données dont dispose ce responsable de traitement. Donc l'information doit être fournie sous une forme qui doit être lisible par l'être humain, lisible par la personne et compréhensible par la personne. Le droit de rectification, si ces données ont un impact, peuvent avoir un impact majeur sur la vie de la personne, il a le droit de corriger ces données si elles se révèlent fausses. Il a un droit à l'effacement, c'est-à-dire se retourner vers le responsable de traitement et dire « je ne souhaite pas que ces informations soient collectées » ou « je souhaite qu'elles soient supprimées de votre base de données ». La possibilité de geler des données quand ce traitement va avoir un impact important sur les droits, sur d'autres droits de la personne. Donc en fait, c'est une possibilité de dire « en fait, je veux que vous sortiez ces données le temps qu'un conflit se résolve ou autre. Donc un droit d'opposition, donc c'est-à-dire s'opposer à certains traitements, le droit à une intervention humaine lorsque on est sur des algorithmes qui vont effectuer du profilage ou qui vont essayer de mieux comprendre la personne, et si c'est les résultats de ces algorithmes ont un impact direct sur la possibilité d'un droit. Donc, par exemple, imaginons que
N'exercez même pas. Imaginons, par exemple, dans le cadre d'un entretien, la personne, l'entreprise passe par un système de profilage automatique qui va présélectionner des CV. Mais en fait, ce traitement doit être, la personne doit être informée de ce type de traitement. Il a le droit d'avoir d'avoir une explication, par exemple, de cet algorithme, une explication de pourquoi cet algorithme l'a rejeté. Et enfin, le droit à la portabilité, sur lequel nous ferons un focus tout à l'heure, qui est un droit vraiment qui est nouveau avec le RGPD et qui est porteur d'innovation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez innovant dans le cadre de la protection des données. Et on voit que ce droit à la portabilité, en fait, il ne concerne qu'un sous-ensemble des données qui vont être collectées. Donc vis-à-vis de chacun de ces droits, en fait, selon la base mobilisable, en fait, l'ensemble de ces droits peut être demandé. Il y a des petites subtilités. Donc, par exemple, quand on parle de consentement, eh bien, on n'est pas sur un régime d'opposition, c'est-à-dire qu'on demande oui ou non, et la personne a le droit de revenir sur son choix par la suite. C'est ce qu'on appelle le retrait du consentement. Quand on est sur de l'intérêt légitime, eh bien, on n'est pas sur une base de consentement, on est sur un droit d'opposition. Donc, vis-à-vis de ce droit d'apportabilité, en fait, la différence entre un droit d'accès et un droit d'apportabilité, c'est que autant le droit d'accès est mobilisable pour avoir une information vis-à-vis des données que vont avoir un organisme ou une entreprise, le droit d'apportabilité, au final, va introduire la possibilité de pouvoir réutiliser ces données. Et donc, on est sur des contraintes supplémentaires que nous verrons cet après-midi pour que, en fait, cette information, ces données qui ont été collectées soient lisibles par la machine. En ce qui concerne la sécurité, ce qui a apporté le RGPD, c'est la logique de privacy by design, c'est-à-dire que le responsable du traitement, celui qui détient les données, doit déterminer, en fait, les risques potentiels que fait peser un traitement sur la personne concernée et quelles mesures il a mis en place pour s'assurer qu'en fait ces risques restent maîtrisés. Donc c'est ce qu'on appelle le privacy by design, c'est-à-dire que dès la conception d'une application, désormais un responsable de traitement doit prendre en compte les risques qu'il fait peser sur la personne concernée. Donc des risques que l'on a vu tout à l'heure, en fait, qui font bien le lien avec la présentation précédente. Ça peut être la connaissance fine d'une personne sur la durée, la centralisation des données vers un même acteur qui va en savoir beaucoup et de manière très intrusive, mais également la dissémination des données, comme ce qu'on a pu voir avec le cookie, c'est-à-dire que lorsque la visite sur certains sites a informé en fait 73 tiers du fait qu'une personne a ce centre d'intérêt-là. Un autre risque, c'est un manque d'information, que les personnes soient peu informées du traitement dont ils font l'objet et en fait, ils ne savent pas comment réagir vis-à-vis de ces traitements, si ces traitements ont un véritable impact. Et ensuite, eh bien, en fait, tout ce qui va être informatique, toute donnée informatique, si ce n'est pas sécurisé, font peser un risque sur la personne, c'est-à-dire un risque de détournement, un risque de suppression de données, un risque de modification de données. Et en fait, ces risques-là, peuvent avoir un impact qui peut être considérable sur chacun des individus. Et donc, les mesures à appliquer pour appliquer du privacy by design pour arriver à contrebalancer ces risques, ça va être, par exemple, pour la connaissance fine sur la durée, bien, en fait, avoir des bons paramètres bien visibles relatifs à la vie privée, étudier très précisément, avoir une connaissance globale sur le parcours des données qui vont être relatifs à chacun des individus, avoir une information claire pour le manque d'informations et un moyen simple de pouvoir exercer ses droits. Et ensuite, pour des vulnérabilités, mais en fait, il n'y a rien de magique. Il faut arriver à sécuriser le traitement, que ce soit en termes d'authentification, de communication. Et donc, c'est pour ça que le RGPD a instauré obligatoirement pour chacun traitement qui comportait un risque important sur la vie privée, l'obligation de mener une analyse de risque. Donc cette analyse de risque, je vais vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. Donc la CNIL a sorti un logiciel qui va permettre d'accompagner toutes ces personnes qui vont mettre en œuvre des traitements qui vont poser un risque particulier
sur les personnes, c'est l'outil PIA. Donc l'outil PIA, c'est un outil qui va permettre, dans un premier temps, pour le responsable de traitement, d'arriver à décrire très précisément en fait le contexte dans lequel il réalise cette collecte de données, donc quelles données sont concernées, où est-ce qu'elles vont aller ces données. Ensuite, voir si les principes fondamentaux non négociables du RGPD sont bien respectés. Est-ce que j'ai mis une bonne base légale? Est-ce que ma finalité est bien précisée? Quelles sont les mesures que j'ai mis en place pour que la personne puisse respecter ses droits? Et ensuite, la dernière partie de cette analyse de risque, c'est d'arriver à déterminer l'ensemble des risques qui peuvent peser sur la personne si je mettais en œuvre ce traitement. Donc, par exemple, si je collecte des données de santé, si ces données venaient à être contournées, en fait, quels seraient les risques pour la personne? Une fois que j'ai bien identifié ces risques, eh bien, je vais mettre en place un certain nombre de mesures qui vont me permettre de pouvoir réduire ces risques et de pouvoir maîtriser ces risques. Donc, par exemple, ça va être mettre une double authentification au niveau de la personne pour s'assurer que même si les personnes qui ont accès à ces données perdent leur mot de passe, eh bien que ce mot de passe ne soit pas exploitable sur le système. Donc, ça permet d'avoir un peu une vision globale des risques qui vont être mis en place, qui vont délivrer ce traitement et qui seront, à travers cet outil, modélisables par un graphique général et de pouvoir, à la fin, de pouvoir, en fait, cette analyse de risque qui va être signée par une personne responsable dans l'entreprise de ce traitement va être signée et sera signée en connaissance de cause. Et c'est toute cette logique de sécurité. Donc, si on voit en fait un petit peu cette logique, maintenant qu'on comprend un peu le cadre du RGPD, pourquoi est-ce que en fait ce consentement est aussi prégnant? C'est-à-dire que en fait vis-à-vis des objets connectés, vis-à-vis d'Internet, en fait, il existe des risques particuliers. Comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que des objets connectés peuvent être extrêmement intrusifs. Le fait d'aller sur un site web, eh bien, on peut informer énormément de tiers sans en avoir connaissance. Et en fait, il existe depuis 2002 et qui a été strictement appliqué en 2009, une directive particulière, qui est la directive e-privacy, qui va créer un lex specialis au niveau du RGPD. Donc, c'est-à-dire qu'au final, lorsque une lecture va être faite sur un terminal, que ce soit un PC, que ce soit un objet connecté, on ne peut, et qu'il n'est pas directement nécessaire au bon fonctionnement du produit, donc c'est-à-dire pas de publicité ciblée, c'est vraiment en fait des informations qui sont vraiment annexes à la fonctionnalité de pourquoi est-ce que cette personne a acheté cet objet connecté ou va sur ce site web. Eh bien, au final, ces bases légales, la seule base légale qui va être mobilisable vis-à-vis de ces traitements de lecture et d'écriture vont être le consentement. Et donc, lorsqu'il y a écriture et lecture sur un terminal, eh bien, au final, le responsable de traitement doit demander le consentement, un consentement clair de l'utilisateur. L'utilisateur doit pouvoir dire oui ou non. Et donc, pour pouvoir dire oui ou non, et bien en fait, ce choix doit être éclairé. Et donc, voilà. Et donc, en fait, l'application du RGPD est venue préciser ce qu'on entendait par le consentement. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un consentement, au niveau du RGPD, et donc qui va s'articuler avec cette directive de privacy, ce sera une manifestation qui va être libre, spécifique, éclairée et faite par une déclaration claire par une personne. Donc, c'est-à-dire que la personne doit vraiment avoir un choix, un choix, il doit être aussi facile pour lui de dire oui ou non vis-à-vis de ce traitement qui est complètement annexe au service qu'il a demandé. Donc en fait, ça doit résulter d'un acte positif clair, un silence ne vaut pas pour acceptation, et ce consentement doit être donné pour un traitement et un responsable de traitement déterminé, il doit être pleinement informé avant de consentir. Et donc c'est la logique, c'est un des changements majeurs
qui a apporté le RGPD vis-à-vis de cette protection générale. Et donc, je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démonstration de ce qui est attendu. Alors, d'abord, pour finir justement sur cette présentation, au final, avec l'application du RGPD, il a fallu revoir en fait ce qui pouvait être demandé en termes de cookies, autres traceurs, lecture, écriture sur un objet connecté vis-à-vis de ce nouveau consentement. Donc en fait, la CNIL, en 2019, a dans un premier temps adopté des lignes directrices qui apportaient une vision claire de cette articulation de ce nouveau consentement avec la directive e-privacy. Elle en a créé des lignes directrices qui sont un peu les lignes dures de ces exigences. Elle a écrit ensuite un projet de recommandation qui, cette fois-ci, ne sont que des recommandations. Donc, c'est la manière dont le recueil de consentement pouvait être fait. Et cette recommandation a été soumise à une consultation publique. Et quel est le résultat? Donc, cette fois-ci, moi, je n'ai pas utilisé Lightbeam. Alors, il faut savoir que Lightbeam, je crois, n'est plus maintenu par la fondation Mozilla. Alors ici, vous retrouverez l'interface de cookies. Donc, je ne vais pas vous faire une démonstration sur le fonctionnement des cookies, parce que vous avez déjà vu comment cela fonctionnait. Mais en fait, on va être sur une interface qui va être très similaire à un Lightbeam. Donc, par exemple, si je vais sur un site tel que lemonde.fr, hop, on retrouve ici la logique du bandeau cookie. Et au final, donc, le site, le point bleu ici correspond au site que j'ai visité, et tous les points orange correspondent à des tiers qui ont été contactés, qui ont été avec lesquels mon navigateur a communiqué à la visite de ce site. Donc lorsque j'arrive sur ce site, j'ai un bandeau cookie. Ce bandeau cookie, en fait, avant le RGPD était conforme, c'est-à-dire qu'en 2009, la CNIL avait établi un certain nombre de recommandations où un consentement mou au regard de la loi était tout à fait acceptable. Désormais, avec l'application du RGPD, il n'est plus possible de pouvoir juste demander une acceptation des cookies à la personne. Et donc, la CNIL a donné 6 mois au site pour se mettre en conformité vis-à-vis de ces nouvelles exigences. Et le fait de simplement accepter, donc lorsque je vais accepter par exemple sur Le Monde, ici, on va voir. Hop. Alors, je pense que j'ai un petit problème avec mon. Avec un. Voilà. Que lorsque j'accepte, au final, c'est un grand nombre de tiers qui vont être qui vont être informés du fait que j'ai visité ce site et que j'ai un centre d'intérêt sur Le Monde et pour me délivrer de la publicité ciblée. En fait, avec cette nouvelle recommandation, avec cette nouvelle application donc, qui sera sanctionnable, la CNIL a laissé 6 mois aux acteurs pour se mettre en conformité, mais au final, désormais, les bandeaux cookies, ce sera un oui ou un non. Claire.